It's race day once again, and we're moments away from lights out and the all-important sprint towards turn one. Welcome to another Formula One Grand Prix. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday, and he'll start from pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Considering the rest of the grid, we have Hamilton, Fernando Alonso, Albon, Hulkenberg, Bottas, Gasly, Sainz, Russell, Magnussen, Stroll, Ocon, Perez, Oscar Piastri, Sargeant, Joe, De Vries. Now it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Okay, so let's go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tyres and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. Salut tout le monde, aujourd'hui on se rencontre pour une nouvelle vidéo, première vidéo sur F1 23, 1, 2, 3. Déjà un grand merci à EA et à Codemasters de m'avoir donné la possibilité de enregistrer ces gameplays, avoir le early access de prochain jeu de F1 23 qui, je vous rappelle, sortira officiellement le 16 juin prochain. Si vous avez précommandé l'édition champion, sortira le 13 juin prochain, la veille de mon anniversaire, hein. C'est une petite parenthèse, ça fait plaisir. Je vais partir sur un petit défi des familles, les amis. On va pas parler forcément du jeu parce que j'ai pas envie que ça soit répétitif, que d'autres créateurs de contenu ont déjà parlé des nouveautés et compagnie du prochain jeu F1 23. Du coup, on est avec l'Alpha Tauri de Yuki Tsunoda en perf égale avec les autres monoplaces. Bon, malgré ça, on est quand même loin derrière avec Nyck de Vries sur le tracé d'Interlagos. Ça fait bizarre d'être de retour sur YouTube après 3 ou 4 mois d'absence. Laissez-moi juste le temps de me réadapter, ça devrait le faire. Également, je vous invite à me suivre sur Kick, la nouvelle plateforme de streaming pour ceux qui ne connaissent pas. Je me suis lancé dans cette nouvelle aventure depuis fin février pour deux lives d'1 heure sur F1 23. On va choisir une monoplace et un circuit en distance de course 50% pour qu'on parle et pour vous présenter le jeu, du gameplay et compagnie. Si vous souhaitez également parler de F1 23 et en débattre, je vous invite à me suivre sur Kick. Le lien est dans la description. En attendant, on va s'installer tranquillement sur notre emplacement dernier et on se retrouve au premier virage. Ok, j'avais pris un bon envol, mais Oscar Piastri est très mal parti. Tiens, petite nouveauté, les IA, si je me souviens bien, l'année dernière c'était pas encore le cas, les IA peuvent se louper au départ. C'est plutôt pas mal, ça ajoute un petit truc en plus. Allez, on prend l'aspiration sur notre coéquipier Nyck de Vries. Attention au freinage, au virage numéro 4, virage 4, ok. Allez, on a pris l'avantage sur Nyck de Vries, pardon, je vais y arriver. Allez, on va suivre du coup Oscar Piastri et compagnie. On va essayer peut-être de faire un petit dive bomb. J'ai fait... Ah ok. Ça va, vous êtes personne pour juger. C'est que le premier tour. Hein, red flag. D'ailleurs, il n'y a pas de red flag hein, dans la bêta, donc ne me posez pas la question. On va faire dive bomb sur 3 pilotes. Sergio Perez 15ème. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Qu'est-ce qu'il fout là Perez, bah alors. C'est plus aussi puissant une Red Bull. Allez hop, on est à la bataille avec Logan Sargeant. On va essayer de faire l'intérieur ici. Ok, parfait. Allez, le grip, la voiture elle tient, c'est nickel. Grosse nouveauté sur ce jeu, vous savez, le grip est largement mieux. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait du bien, le plaisir de mettre pied au plancher sans patiner. Attention, en même temps, les pneus sont neufs. On aimerait bien que les pneus restent à 0% pour qu'on ait un grip extraordinaire. L'aspiration sur Sergio Perez, tandis que c'est Lando Norris qui est en tête avec le meilleur tour. L'aspiration, on est déjà au 340 km/h. Encore l'aspiration sur les Stroll. Attention de ne pas se louper au virage numéro 1. Ok, oh peut-être. Oh, bah il laisse la porte ouverte. Ok, merci, au revoir. Ok, parfait, deux coups en un. Alors on va essayer de revenir sur Esteban Ocon et George Russell. Attention, hein, c'est juste le jeu, il est encore en phase bêta en early access pour ma part. Du coup, on n'a pas les voitures, enfin certaines voitures ne sont pas officielles comme la Mercedes, comme la Ferrari, comme la Haas et la Williams si je ne me trompe pas. Le son moteur de la Honda est quand même satisfaisant, toujours aussi pas mal. Le son du turbo on l'entend vraiment en fond. Un petit sifflement, beaucoup moins que sur F1 22, mais ça fait plaisir. Allez, on sort bien du virage, on prend l'aspiration. L'aspiration sur Esteban Ocon, on a 18 tours à couvrir, ça devrait aller, surtout qu'il y a un arrêt au stand obligatoire. Encore meilleur temps au tour de Lando Norris, qui je comprends est toujours en tête. Face à Max Verstappen, l'aspiration, derrière c'est activé. Le freinage comme sur je sais plus qui. Ok, sur Sergio Perez si je me trompe pas. Oh, ça passe à l'intérieur, oh, sans contact. J'ai fait un petit réglage des familles, hein, comme vous savez, si ceux qui ont suivi la vidéo d'Hydro, on a vu comme quoi les réglages ont beaucoup changé, notamment du côté suspension, où on peut régler maintenant unité par unité. Donc pour certaines suspensions, c'est de 1 à 41 si je ne me trompe pas, d'autres 1 à 21, petit blocage de roue, attention quand même de ne pas tirer tout droit. Et pareil, le balance de frein, j'ai mis combien? Ah merde, je suis à 63, mais qu'est-ce que... Ok, ça pilote bien. La voiture elle tient bien le bitume. Oh, le décalage de George Russell, attention c'était un peu dangereux. Même vitesse de pointe. Ça va se jouer au freinage. L'avantage des pneus médium face aux pneus durs, ça passe plutôt bien. On est derrière Kimi Magnussen pour la fin du 4e tour. Pour ceux qui se posent la question, on est en difficulté 95. Et je fais un petit réglage pour que la voiture tient bien à l'arrière parce que le grip est insane, mais le setup joue beaucoup avec le grip. Oh, attention à l'extérieur sur Kevin Magnussen, au virage 1, ça passe, parfait, l'avantage de sur virage numéro 2, c'est bien, so far so good. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien, on a DRS une fois de plus, merci Kevin. Même si c'est qu'une version bêta, je trouve que la bêta de F1 23 est même supérieure à la bêta de F1 22. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur la bêta de F1 22, j'ai dit comme quoi la bêta était vraiment incroyable de F1 22. À la veille de la sortie officielle du jeu F1 22, bah, ils ont sorti un patch, le jeu est cassé, ils ont ressorti un autre patch, le jeu il est encore plus cassé. Et honnêtement, là la bêta elle est incroyable. S'ils ne changent pas que ce soit grip, comportement de voiture, etc. Parce que l'année dernière c'était un mec qui s'occupait, enfin un responsable de sensation de voiture et compagnie, n'est plus chez Codemasters, du coup c'est un autre mec qui a pris sa place. Je ne saurais pas vous dire qui est ce monsieur, mais si ça reste comme ça, vraiment, je pense qu'on contient une très bonne base du jeu F1 23. Faut pas qu'il le détruise en 1-2 patchs, le patch Day 1 ou le patch qui pourrait sortir dans 3 mois. Faut pas qu'il casse le jeu parce que honnêtement, ils ont une très bonne base et ils se rattrapent plutôt bien face au F1 22. Allez, c'est bien, on est juste derrière Pierre Gasly. On a pas mal de DRS, c'est bien, le DRS se recharge plutôt bien sur ce tracé. Même si on sait que ça va être patché, le DRS plus le RS plus l'aspiration, on arrive déjà au rupteur. Pardon, on est déjà à 350 km à l'heure. Terrible, 350 km à l'heure ici au Brésil. Je sais même pas si c'est du déjà vu, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Alors imaginez-vous la ligne droite du tracé de Las Vegas, il est encore beaucoup plus long que la ligne droite du tracé de Bakou avec les dévirages en pleine balle. Ok, on est dans les points, juste derrière la Ferrari de Carlos Sainz qui se fait dévancer par l'Alfa Romeo de Bottas. On va attaquer, pas du tout, c'était une blague, mais on l'accroche un petit peu à l'arrière. L'aspiration une fois de plus sur Carlos Sainz avec le DRS activé, mais lui aussi il va avoir le DRS, voilà, sur Valtteri Bottas, mais il n'utilise pas le RS, ça défend plutôt bien à l'intérieur pour Carlos. Ok, oh là là, ça freine un peu tard, mais ça va. On prend l'avantage au virage 2, on ferme gentiment la porte. La voiture qui tient bien sur le sortie de virage, avec 20% d'usure, c'est plutôt bueno. Vraiment, on est bien, on est vraiment très bien. Bon, comme vous le savez, on a le droit de sortir 3 vidéos du jeu F1 23, que ce soit en mode Grand Prix ou Tam Trio. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez voir comme les 2 dernières vidéos, parce qu'honnêtement j'ai pas forcément d'idée, peut-être un petit gameplay sous la pluie ou je ne sais pas encore. Et puis on a le droit de sortir aussi 3 vidéos sur le mode Breaking Point. Comme vous savez, il y a le retour du mode Breaking Point. Cependant, je ne vais pas faire de vidéo sur le Breaking Point, puisque déjà tout le monde n'est pas anglophone, puisque le jeu il est encore en anglais, il n'est pas en français. En plus, je préfère me le réserver en live sur Kick pour le partager avec vous. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Kick, une fois de plus, le lien est dans la description. Dès que le jeu sera sorti officiellement, ou peut-être un petit peu avant, où on aura le droit de streamer et partager le jeu avant peut-être le 13, n'hésitez pas à me suivre pour suivre un peu l'aventure de Breaking Point si vous avez un peu la flemme de le faire. Inislap pour aller box-box. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Kick les amis, c'est gratuit. Et puis n'hésitez pas, hein, dites-moi dans les commentaires ce que vous voudriez voir sur YouTube avec ce jeu F1 23. Le jeu il a l'air excellent, vraiment. Allez, on passe bien sur l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas. Oh, ça attaque quand même à l'extérieur hein, pour essayer de garder l'avantage. Et on a Nico Hulkenberg devant nous. On va essayer de le rattraper, hein. On va essayer quand même de le rattraper, ce sera pas mal. Je sais pas s'il rentre au stand aussi Nico. S'il rentre au stand, ah la sauce. Et en plus il met DRS. Oula, ça bloque un peu les roues devant. Ouh, ça bloque les roues devant. Allez hop, on est bien. Va falloir appuyer sur le bouton. Regardez, quand ça clignote, ça reflète sur le sol et même sur la voiture. Bon, je suis pas assez proche de Nico Hulkenberg, mais ça reflète également sur notre voiture. Allez, on appuie sur OK. Hop, j'espère que c'est bien les pneus tendres par contre. Oui, c'est bien les pneus tendres. Allez, 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 go, 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 go. Est-ce qu'on est... Ah non, il y a deux voitures qui sont en train de s'accoupler là devant. C'est les... Ok, c'est Hamilton et Hulkenberg. Allez, on est bien en pneus tendres. Il va falloir attaquer. Les pneus vont beaucoup moins tenir puisqu'ils ne sont pas en température optimale, mais le grip est présent. Ça, c'est pas mal. Le DRS activé en sortant des centres. Ça, c'est gratuit. Par contre, ils vont, je pense qu'ils vont cravacher là, les voitures de... Oh, pas du tout. En fait, on revient. Est-ce qu'on peut attaquer? Est-ce qu'on peut attaquer Nico? Est-ce qu'on peut attaquer Nico? Ouais, ça passe, ça passe, ça passe. C'est bien, parfait, ça. Ça, c'est bien. On peut dive bomb sans forcément bloquer les roues pour rien du tout. Oh, il y a une Ferrari qui sort des centres, c'est celle de Charles Leclerc qui est en bataille avec Lewis Hamilton. Oh, attention de passer à gauche, par contre. Ça a failli partir en casse-pipe. Et c'est avantage Lewis Hamilton puisque lui il a eu le DRS sur Max Verstappen. Oh, Verstappen, Hamilton. Oh, des souvenirs. Ah, j'ai encore cette sale manie de monter un rapport comme si on était sur F1 22, alors que pas du tout, le groupe est vachement présent et ça fait vraiment plaisir. Oh, une vitesse de pointe peut-être. Ou pas, je sais pas, meilleur temps autour pour Hamilton, meilleur temps autour pour moi, oh là 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 là, oh, attention, oh le décalage, oh, c'était, oh, c'était dangereux, oh la vache, oh, ok, je me suis fait peur moi-même, c'est ok, bon, DRS activé, Leclerc va-t-il attaquer ou pas? Pas du tout, j'ai l'impression qu'il ne voudra pas attaquer Leclerc, c'est bien, regardez, sans l'ORS, regardez comment on revient avec l'aspiration, juste avec l'aspiration, le DRS activé. Le freinage. Ah, il a freiné. Ouh. Oh la vache, merde. Oh non, catastrophe. Accélère, accélère. Oh non, ça c'était pas prévu. Ça c'était nul. Ah, salut Alonso, ça va? Not cool. Oh bah, il a laissé la porte ouverte. Merci, au revoir. Et ça va attaquer là par la tête de course. Ça va attaquer là par la tête de la course. Lando Norris face à Verstappen. Avantage Max Verstappen. À moins qu'il se loupe, Verstappen, ouais c'est un peu loupé Verstappen. Va falloir attaquer Leclerc, va falloir vite attaquer Leclerc, en plus j'ai plus de batterie. Oh oui, ça va attaquer très très fort. Allez, il va falloir faire l'intérieur sur Charles Leclerc, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Salut, bonjour, ça va? T'auras une meilleure Ferrari, t'inquiète pas frérot. Il va rester deux tours. Il va rester deux tours dans cette course. Allez, aspiration sur Lewis Hamilton, on n'a plus de RS, c'est pas grave. On continue, le freinage tardif, on va l'enfermer un peu à l'intérieur. Au virage numéro 1, il s'est pas laissé faire. Hein. Il a freiné un peu plus tard. Accès à la voiture. Le grip commence à être un petit peu absent là. On arrive en même temps en fin de course. Les pneus commencent à être usés à force et surchauffés à force d'être derrière les autres voitures. Allez, l'aspiration. ERS active. Attention quand même de ne pas s'accrocher. Oh, le blocage. Oh là là, c'est catastrophe. C'est catastrophique là les sorties de virage. Les pneus sont un peu en PLS. De la Tauri, la grande sœur c'est Red Bull, la petite sœur c'est Alpha Tauri. Qui avant j'ai préféré Toro Rosso qu'Alpha Tauri. Wow, ça va être la victoire de Max Verstappen. Malheureusement, on va échouer pour une petite erreur bête au virage 1. Oh, ça va me coûter cher. Et en plus, il y a encore de RS. Ouais, sa voiture clignote pas. Donc, il y a encore de RS, il y a encore de la batterie. Ça va être une victoire de Max Verstappen. Forcément qu'il a plus de RS. Ah, coup dur, il manquait un tour. Il manquait un tour pour battre Max Verstappen. Il va être cheaté, je sens qu'il va être cheaté sur F1 23. Aïe, 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 aïe. Bon, tant pis, on finira deuxième. Bon, bah, les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like. N'hésitez pas à vous abonner également et d'appuyer sur la cloche de notification pour être notifié des prochaines sorties vidéo sur F1 23. N'hésitez pas également de me suivre sur Kick. Le lien est dans la description. Comme ça, on pourra en débattre du prochain jeu F1 23. Ça se trouve, je suis en live actuellement. Donc, n'hésitez pas à venir. Venez. C'est gratuit. Sur ce, je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Reposez-vous bien. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Ciao tout le monde.